Et bien bonjour à tous les amis, c'est Moustache et aujourd'hui on se retrouve dans du Bubblegum Simulator pour l'update 2 de la Saint-Patrick. Et j'avais trop envie de vous montrer plein de choses. Parce que du coup bah forcément j'ai farmé, j'avais pas le choix de farmer pour la mise à jour. Donc là exceptionnellement j'ai découvert avant vous. Bon il y a des trucs que j'ai pas découvert parce que bah je peux pas. Mais avant ça je vais me permettre de ramasser les coffres. Mais avant de ramasser les coffres j'ai envie de vous montrer un pet qu'il y a dans les rewards. Parce que oui il y a des rewards et j'ai direct le dernier pet parce que j'ai tellement farmé que j'avais 18 milliards donc j'ai pu tout ouvrir et du coup c'est celui-ci, je vais vous montrer, c'est attends que je le retrouve, c'est lui, c'est l'Overseer, il est tellement stylé, il est tellement pété. Alors attends, je vais désactiver ça plutôt. Il est tellement stylé, il est gigantesque, il est tellement beau, regardez-moi ça. Oh j'adore, franchement j'adore, c'est trop cool. Donc comme vous pouvez voir, je suis vraiment avec une équipe quand même plutôt pas mal. Donc ça me rapporte vraiment pas mal là actuellement. Les coffres me rapportent 20 millions, enfin bientôt 21, donc c'est pas dégueulasse. Et puis là, ces coffres-là me rapportent des fois 400 millions, enfin non 500 millions, enfin bon c'est énorme. J'en profite les amis pour vous montrer un petit truc, là c'est la petite nouveauté qu'il y a, et dans cette zone c'est qu'il y a une autre île, donc j'ai ramassé le coffre, mais du coup franchement c'est plutôt stylé, ça rapporte pas mal, je crois que ça me rapporte 200 ou 300 millions, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup on va aller voir le nouvel endroit, on va dire ça comme ça, pour la Saint-Patrick, parce qu'il y a plein de nouveautés, le design a changé, enfin en fait c'est surtout qu'il y a plus de choses, donc du coup il avait pas le choix de changer l'emplacement, etc. Donc du coup bah on va découvrir ça ensemble. Et j'espère que je peux tourner la roue, parce que je sais plus quand je l'ai tourné la roue. Alors là c'est les Saint-Patrick's Rewards. Donc il y a vraiment pas mal de récompenses. Franchement c'est plutôt pété, il y en a énormément. Alors je me demande ce que c'est quand même ce pet. Attends, celui-ci là, je me demande ce que c'est, mais bon on va voir de toute façon dans notre inventaire. Sauf si c'est un commun, dans ce cas là j'ai dû le supprimer. Alors après il y a ces espèces de chiens. Alors je voulais voir aussi où ils étaient. Mais il y en a énormément. Franchement il y a énormément de pets. Là est-ce que je peux tourner la roue? Non je ne peux pas tourner, ok. Donc là on a les daily challenge. Donc actuellement je ne peux pas faire ça. Mais j'ai au moins celui-ci. Donc on peut le prendre. Et on a tout ça à découvrir avec un pet à la fin. Donc je me demande le pet ce que c'est. J'ai trop hâte de l'avoir. Et du coup dans le shop de l'événement on a des comment dire, des lunettes en plus. Donc on va les acheter pour voir un petit peu les stats, parce que ça m'intrigue un petit peu. Donc on va aller dans chapeau et elles sont juste ici. Oh la vache. Ah je m'attendais à tout sauf à ça hein. Bah je vais le mettre sur lui, comme ça ce sera encore plus pété. Attends les coffres du coup ils me rapportent 21 millions, allez hop ça c'est fait au moins. Oh la vache, c'est tellement énorme. Ah mais ces lunettes elles sont trop stylées, mais elles valent grave le coup. Mais c'est tellement trop cool. Comme vous pouvez le voir les amis, j'ai aussi énormément farmé les œufs. Hein. Je suis quand même à 819 000 œufs d'ouverts. Du coup bah, on va aller voir un petit peu dans l'inventaire ce que j'ai en plus, parce que je sais pas si je peux faire un autre shiny du dernier pet. Du coup en même temps on va voir les espèces. Ah mais non mais attends, les espèces de chiens seraient pas ça du coup? Non c'est pas le chocolat trio. Bah non ça peut pas être ça, je suis bête, c'était sur l'événement d'avant. Du coup, alors attends, on va regarder s'il n'y a pas le chien en même temps ici. Là, c'est la bee, la queen bee. Là, pour l'instant, je vois pas. Ah, il est là! Je veux dire, je vois pas. Ah, il est pas si fort que ça, mais par contre, j'aime bien le look quand même. J'aime vraiment le look. Là, on a le Crystal Defender, mais non, c'était sur l'ancien événement. Du coup, là, j'en ai combien? Oh, il m'en manque 3! Il m'en manque 3 petits. Donc là forcément là je peux en faire des shiny. Donc j'en fais des shiny non-stop hein. Je suis bombardée de shiny de ce pet là. Et le Scorpio je peux en faire. Oh cool, je peux en faire un shiny cool. Oh délire, parce qu'il est vraiment pété celui-ci quand même. Quand tu l'upgrades bien il est vraiment pété. Et oh mon pet secret. À chaque fois que je le vois ça me fait de l'effet. Je suis désolée mais bon, mon premier pet secret qui était quand même ultra, enfin qui est quand même ultra fort hein. C'est pas qui était, c'est qui est ultra fort. Non franchement je suis contente de ce pet secret. Mais j'essaie du coup de farmer le pet secret de cet œuf, mais je n'arrive pas à l'avoir. J'y arrive pas, ça ne veut pas. Tu vas me dire j'ai ouvert. Attends, j'étais à 600 000 quelque chose. Ouais j'ai dû ouvrir 200 000 œufs. Donc c'est normal si je l'ai pas quoi. Faudrait que j'en ouvre beaucoup plus des œufs pour essayer d'avoir le pet secret. Mais je vais continuer de toute façon d'ouvrir les œufs toutes les nuits. Ça c'est clair. Et puis en plus comme je... comment dire,
Je ramasse pas mal en fait avec les coffres, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des milliards et du coup de farmer pendant la nuit. Et du coup, alors attends, on va récupérer coffres. Qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter? Parce que du coup, en fait, d'un côté, j'aimerais m'acheter, enfin, je vais tout m'acheter, ça c'est sûr. Mais d'un côté, c'est vrai que j'aimerais bien viser ça. Attends, tu sais quoi? Je vais m'acheter le max level pour la bonne et simple raison, c'est que le dernier des rewards, là, j'aimerais le mettre au maximum. Et comme j'ai pas un max potion level, j'ai max enchant, mais pas max level, donc on va l'utiliser sur... sur l'Overseer, voilà, hop, sur lui, parfait. Et du coup, on va prendre le Max Enchant sur l'Overseer. Et il est là. Et du coup, c'est quoi ses stats? Attention. Attends, on va directement taper, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Et il fait du 16 000 quand même, hein. 16 700 et 14 000. Oh la vache. 23 millions les coffres. Oh là 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 là, c'est tellement pété. Cette mise à jour est tellement craquée, j'adore. C'est trop cool. Bon, je sais pas si je peux, mais écoutez, on va essayer d'acheter toutes les potions. Ok, parfait. Là, je peux tout acheter. Parfait. Là, du coup, avant de les acheter, j'attends un petit peu de farmer les minières. Comme ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer énormément de rainbow. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais tout acheter d'un coup pour pouvoir farmer pendant une nuit complète avec les boosts. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et je suppose qu'il y a des codes avec la mise à jour, je les ai pas vus. Mais enfin, je vais pas les voir. Mais dans tous les cas, s'il y en a des nouveaux, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre comme d'habitude le lien en description dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez aller sur le wiki. Et sur le wiki, vous avez tous les codes de référencés. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez tous les codes. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, tu fais copier-coller. Et puis au moins, hop, ça c'est fait. Bah allez, on va s'ouvrir des yeux en espérant avoir le dernier pet 3 fois. Bon, c'est un petit peu trop, je pense. Mais j'aimerais tellement l'avoir ce pet. Parce que j'en veux un deuxième en shiny, ça c'est clair. Hein. Ils sont trop pétés, ils sont trop craqués ces pets. Enfin, je crois qu'il me fait du x 14 000 ou 15 000, je sais plus. Bon, pour l'instant, par les communs et les communs, bah, j'ai que des communs. Ah, unique, quoi, tu vois, c'est pas mal, ça, les uniques. J'arrive pas à voir autre chose, tu sais. Je suis bloquée sur commun unique. Là, j'en ai eu un rare. Allez, on y croit. C'est la Saint-Patrick. Donne-nous de la chance avec la Saint-Patrick. On veut la chance. Ah, j'aimerais tellement être Madame Irma, des fois, pour faire apparaître les pets secrets, là, comme ça, d'un coup, des œufs. Ce serait tellement trop cool. Putain, mais franchement, j'aimerais tellement avoir le premier pet secret. Il a l'air tellement stylé, le trèfle à 4 feuilles. En plus, il a des stats pétés, quoi. Bon, là, quand même, j'ai toujours pas... Même le premier légendaire, je l'ai pas. Donc, le jeu, là, je sais pas, la Saint-Patrick n'est pas de mon côté pour l'instant. Ça ne veut pas. La rigitude à l'état brut, quand même, la vache. Allez. Moi, je veux le premier légendaire, au moins. Montre-moi que j'ai un peu de chance, quoi. Il y a un truc que je veux voir quand même, c'est est-ce qu'on peut voir le pet que j'ai vu là, qui avait l'air bizarre dans le reward, parce que du coup je l'ai pas vu encore jusqu'à présent. Donc du coup on va tout descendre, mais j'en ai tellement des pets, je pense que j'ai pas le choix de les supprimer. Je vais essayer d'en donner et puis je vais les supprimer. Je vois vraiment pas trop comment m'organiser pour les giveaways, je suis désolée les amis, mais c'est tellement compliqué de faire des giveaways en live, j'espère que vous me comprenez, parce que de rejoindre tout le monde ou que les autres me rejoignent, enfin les autres pourront pas me rejoindre parce que du coup il y a des abonnés qui voudront pas partir du jeu, etc. Enfin, je sais vraiment pas comment m'organiser, je suis désolée à ce niveau là. Mais dans tous les cas, si je vous vois en jeu, je vous les donne, vous inquiétez pas, je vous donne les pets. Du coup, bah lui, c'est celui qu'on a reçu dans la roue, donc ça peut pas être lui. Mais du coup, où c'est qu'il serait? Parce qu'il avait tellement un look bizarre. Mais j'aimerais tellement que ce soit un légendaire, mais bon, en même temps, si c'est pas un légendaire, c'est foutu, quoi. Je l'ai supprimé, parce que du coup, bah, j'ai déjà supprimé pendant la nuit les pets communs, rares et uniques, quoi. Donc si je le trouve pas là, c'est que sûrement que c'est un commun, mais j'aurais tellement aimé voir son look. Au moins un rare, ça se trouve, c'était. Parce que là, pour l'instant, là, les Crystal Defender, là, on a le Cat Mouse. Là, on a de retour le Lucky Fiend. Lui, non. Ouais, non, je pense que j'ai supprimé. Ah, c'est dommage. Celui-là, c'est le Scorpio. D'ailleurs, attends. Le Scorpio, il me fait 5990 et j'ai des trucs qui me font du 3000. Donc autant se saucer niveau récompense. J'ai 3004. Bon, on va enlever le 3004. Hop. Et puis on va mettre le Scorpio. Hop. Et il est où le shiny? C'est celui-ci. Parfait. Et du coup, bah attends, ça me rapporte combien les coffres là? Ça va.
Pas dégueulasse. Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est cool. Du coup, j'ai fait des recherches sur le wiki de Bubblegum et en fait, le pet que je cherchais, c'est le Lucky Candy. Et du coup, c'est un épique, donc forcément que je l'ai supprimé pendant la nuit, hein, pendant que je fermais, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'était juste pour son look que j'aimais bien au niveau stats. Bah, du coup, moi, ça me sert pas du tout, donc sans regret. Mais franchement, niveau design, j'aime bien. Il est plutôt stylé. Même tous les pets de la Saint-Patrick sont stylés. Et ce que j'adore par-dessus tout, attends, je vais vous montrer ça, c'est les effets qu'a l'Overseer. Franchement, il est stylé. Regardez-moi ça, ces effets, c'est trop cool. Ça fait genre de la fumée qui tue et tout, c'est délire. Non, franchement, les pets de ce monde sont vraiment stylés. Franchement, on a une équipe plutôt pas mal. Avec les lunettes stylées quand même. D'ailleurs, attends, j'ai pas zappé d'une chose. C'est que je vais faire update. Mais je sais pas pourquoi ça veut plus me faire update. Je suis obligée de toujours faire remove et créer. C'est bizarre. Et pourquoi pour le cirque, j'ai plus que ça comme pet? C'est bizarre. Bon bah à mon avis j'en avais pas beaucoup pour avant de cirer, je pensais que j'en avais plus mais apparemment non. Tu vas me dire j'avais pas le... Attends, j'ai l'éléphant moi? Bah il est où mon éléphant? Attends on va chercher. Si je fais éléphant... Ah c'est bon il est là, attends j'ai eu peur pendant 2 secondes quand même. Bon et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode de Bubblegum Simulator. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.